Pelli, bon, au pire, on va le remettre dans sa cage. Non, mais il est trop con ce lapin, on sait comment. Allez, vite. Oui, c'est une victoire. Non. On voulait faire le gâteau chocolat avec toi. Tu as refusé. C'est ton dos maintenant. Maintenant, tu manges les cracottes. On t'a proposé la Ferrari. Tu as préféré la Twingo au fist. Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter le cooking avec vous aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire un gâteau au chocolat. Qu'est-ce qu'il fait? Avec un lapin. Ouais, sauf que le lapin, Le lapin, il veut se barrer, genre. Ouais. Potatoes. Il s'appelle pas Potatoes, hein, mais... On voulait pas révéler son identité. Ouais. Sur l'internet. Regardez, il est sur la table. Coucou, coucou. Il va se suicider, je crois. On fait un gâteau au chocolat, ça tombe bon, mal. Bon, on essaye. Bon, si il part, tant pis, s'il reste. S'il reste, tant mieux. Voilà, non, en fait, pas d'échappatoire. Il kiffe les gâteaux, du coup, voilà. Donc, pour la recette du gâteau au chocolat, c'est très simple. En fait, non, c'est pas simple du tout parce que En fait, le problème, c'est. En fait, le truc, c'est qu'on a décidé de faire un gâteau au chocolat sans œufs. Non, mais y a pas d'œufs dans le gâteau au chocolat de base. Ah bon? Mais moi, j'ai toujours fait du gâteau au chocolat avec des œufs. Oui, mais pas dans celui-là, pas dans le brésilien. Le Brésil. Allez. C'est parti, go. Donc, on va commencer. Donc, 600, je sais pas quoi. Non, en fait, pourquoi c'est en litre? Est-ce que c'est du liquide maintenant, la farine? Oula. Je te jure, je fais avec des tasses, hein. Je fais avec des tasses. Mais là, c'est avec du Nesquik, zap. Non. Mais il y a Nesquik, je te jure qu'il y a. Mais c'est pareil, tu mets Nesquik ou tu mets du chocolat. On improvise. Mais c'est nul. Mais non, t'inquiète. Fais-moi confiance. Ouais, je te dirais, il va mourir le lapin. Il a peur, je crois. Bon, ça va être un crash test, hein, les gars. Tu vas aller faire pipi. On n'est pas les meilleurs. Tu peux aller faire pipi. Ouais, vas-y. A few moments later. Je sais pas comment on va gérer le bail. C'est une vidéo improvisation. Oui. Ok. Tiens, avance. Voilà. Ok. Donc. Est-ce que c'est normal que ce genre de dégâts n'arrive qu'à nous? C'est bon, c'est bien le fait cadré. Là, c'est parfait. Mais tu mélanges du vide, wesh. Oui. D'accord. Non, je vais pas faire ça, c'est sale. Ok. Ok. Si t'as mis votre prête. Alors, go. Faut que tu prennes la farine. Farine. C'est moi qui fais les 4 tasses. C'est moi qui mélange. Il est où le fouet? C'est moi qui l'ai. C'est pour tout l'épée. Au cas où. Par contre, je crois qu'il n'y aura pas assez, donc on va faire 2 tasses. Non, mais tout. C'est vraiment une vidéo un peu. Ah non, il y en a une autre. Un autre sac de farine là-haut. Ouais. Tu montes sur la chaise. Je te regarde en haut. Le truc qui monte sur la chaise, oui. En haut, tout en haut. En haut là? Ouais, là, non, là. Le truc au fond. Non, ah là, là, à gauche, à gauche. Le truc vert. Le truc vert. Yes. Alors, c'est de la farine à pizza. C'est la farine à pizza. Qui même achète de la farine à pizza? Je sais pas. Mais c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète. On fait deux tasses. Oh non, mais tu crois avoir la moindre quantité de tout? Oui, bah fais deux tasses au lieu de. Ah, c'est ça. Une tasse. Bon, vraiment, c'est une vidéo improvisation. Une tasse. C'est pour vous montrer que la cuisine, c'est pas des maths. La cuisine, ça s'improvise. Petite conseil du jour. Voilà. Bon. Verse, ouais, je sais pas quoi jouer. Ouais. Moi, ça fait deux tasses à peu près. Bon, du coup, on a diminué les doses. On a diminué les doses partout. Vous pouvez oublier les doses. En fait, les doses, c'est pas important. L'important, c'est que ce soit homogène. Donc, vous prenez les mêmes doses partout. Voilà, donc là, nous, on a mis deux, mais de base, c'est quatre. Donc, en fait, c'est un gâteau pour 8 personnes, donc c'était un peu. Ouais, cool, c'était beaucoup parce que de toute façon, on est que deux. Oui. Alors, hop. Et potatoes. Ouais. Ouais. Bah, du coup, on met la moitié de la tablette ou les 3 quarts? Bah, plus il y a de chocolat, meilleur. On met la moitié de la tablette, du coup, on met 150 grammes. 150 grammes. Un peu plus. Par contre, faut qu'on le fasse fondre. Ouais, je sais. Au bain-marie. Ouais, je sais. Sinon, tu peux le mettre directement dans la casserole, hein. Tu parles qu'à 20 grammes. Non, parce que le chocolat, ça cuit pas dans une casserole. Moi je l'ai fait des fois. Mais il faut pas, ça brûle. Mais non, ça brûle pas. Tu mets du beurre et machin, ça brûle. Mais oui, sauf que là, il faut respecter la recette. Il faut du beurre ou il en faut pas? Non, il en faut pas. C'est pour ça. Faut que tu. Ok. Mais le beurre, c'est comme de l'huile. Hein. Sinon, on fait le fondre au micro-ondes. Ouais, là, je vais faire au micro-ondes, ça va plus vite. Parce que les bains-maries, je te jure que c'est bon. Ouais, j'avoue. Hop là, la vidéo. Cette vidéo se transforme en vlog.
Alors, nous allons mettre combien de temps? Je ne sais pas du tout. C'est vraiment les cuisineuses de la Hesse. C'est exactement ça. En fait, quand c'est fondu, bah, c'est fondu quoi. Allez. Bah, on va regarder le temps. Là, ça fait même pas une minute. Voilà. Bon, vas-y, on prépare le reste en attendant. Voilà, on va préparer le reste en attendant. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Bon, des doses, on dirait qu'on a fini, wesh. Bon. Un sachet de levure chimique. Une tasse d'huile. Non, je l'ai la levure. Alors, regardez, hop, on ouvre le sachet. On verse là-dedans. Voilà. Très simple, j'aurais dû mettre la moitié. On divise tout par deux. C'est bon, l'huile? J'ai mis un entier. J'ai mis un entier. Non, un sachet, ça se met toujours en entier. Ok. En fait, je dis ça, j'en sais rien du tout. Une tasse d'huile. Bah, du coup, ça fera la moitié d'une tasse d'huile. Ok. Ouais, une demi-tasse d'huile. T'as voulu ma place, je ne dirais rien. Une demi-tasse d'eau chaude, tu mets un quart d'une tasse d'eau. Je permets. Eau chaude et ensuite eau froide. Mais t'es sûre que c'est comme ça qu'on fait? On n'a même pas regardé comment on faisait. Mais tu sais que là, c'est les ingrédients. Genre, après, il faut suivre le déroulement. Bah oui, c'est ce que je regarde. Mais eux, ils n'ont même pas de déroulement. Si, c'est là. Non? Ah ouais. Préchauffer le four. Déjà, ça, on n'a pas préchauffé le four. Ça prend 2 minutes. Non, il faut le préchauffer. Oui. C'est important pour la cuisson, les gars. Sachez que c'est très important. Moi, je t'ai des lasagnes dans ton four. C'est pas des lasagnes, c'est des pâtes. Comment ça s'ouvre? Vous avez vu? Voilà. Toi, t'en fille. C'est deux, t'as un mess. Tu mets combien de degrés? 180. Alors, nous revoilà. Il faut. Mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire pas l'eau. Non, le chocolat il a cramé. Je te l'avais dit, il faut toujours faire au bain-marie. Oh non, merde. C'est quoi ça? En fait, on a déjà fait le gâteau en fait. Ça a l'air trop bon. La mère qui mettait du chocolat, elle mettait le direct au micro-ondes et ça fait déjà un gâteau. Bon, on le garde, mais il faut qu'on le refasse au bain-marie. Ça sent bon. Attends, je goûte. Ok, mélanger les ingrédients secs. On l'a tout. Mais t'es conne! Mais vite, prends de l'eau froide! Ah, pas grave! Ok, il fallait mélanger les ingrédients secs. On a déjà mis l'huile, mais c'est pas grave parce qu'on a dit que c'était un peu à la. À la well again. À la well again. Ah, c'est trop beau, c'est bon. C'est pour ça qu'on fait un bain-marie, c'est ça? Ouais. Mais dans la bouilloire, on gagne du time, non? C'est bon, c'est la rage, j'ai pas de bouilloire. À quoi sert-elle? J'ai envie de goûter. Ah non, il n'y a pas de sucre, ça va être dégueu. Alors, est-ce qu'on a mis du sucre? Mais ils disent pas d'en mettre. Mais si, ils disent d'en mettre. Ils n'en mettent pas parce qu'on n'a pas mis du cacao sucré, on a mis du chocolat, du coup, il faut mettre du sucre. Du coup, le sucre, on va mettre une tasse. Vas-y, c'est moi qui la mets. Il faut une tasse. Action. Elle était où, là, alors? Reaction. Mais tu l'as utilisée. Il y a de l'eau dedans? Non, il n'y a pas d'eau. Mets une tasse. Ça me paraît beaucoup. Mais non. Oh my god. C'est bon, une tasse. Oh, je te jure, je vais faire ça toute ma vie. Tu quoi, cuisiner? Non, le... Satisfying. Exactement, verser du sucre. Ma nouvelle passion, verser du sucre professionnel. Ah oui. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui, oui, oui. À la toute suite. Regardez, on obtient une pâte homogène. Et lisse. Lisse, oui. Parce que ce qui est important, c'est que la pâte soit lisse. C'est... Là, elle n'est pas du tout effritée, quoi. Pas du tout. Mais c'est parce que c'est une pâte brisée. Ah oui. Oui, oui, oui. Pâte sablée. Oui, c'est enfin un sablé au chocolat. Tu sais, j'ai quoi dans mon frigo? Non. J'ai une pâte. Une pâte brisée. On peut faire ça avec une pâte brisée. Ah, ça me dégoûte. Pas ça. En fait, j'avais oublié que c'était de l'huile qu'il y avait, donc c'est peu bon. Ah. Du sucre dans le chocolat. Tu sois quoi? Pour le manger. Il faut que tu fasses fondre un peu plus au bain-marie. Ça bouille ton eau là. Ça bouille ton eau. Non. Ça fait clac clac. Ta mère qui fait clac clac. Citation du jour. Attends, je vais m'asseoir un peu pour qu'on puisse voir mon visage doux. Ah, c'est toi, fille.
Pourquoi tu manges du chocolat comme ça? Quoi? Mais attends, c'est pour le gâteau. Mais c'est pas pour le gâteau là. C'est pour le refaire, elle est cramée là, le chocolat. Ah, tu veux le refaire? Oui. Oh non. Regarde, ça fait la moitié d'une face là. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mukbang. Tu peux mettre ça là-bas? Dans ma rue? Ouais. J'aime trop ce mot, dans ma rue. C'est Marie que t'aimes bien, je crois. Ouais, parce que c'est le prénom de ma mère. Mmh. Bah oui. Et le prénom de la Vierge. Comment elle mange ça? Ça croustille sous les mains. Je suis sûre qu'ils mangeraient ça aux États-Unis. Je suis sûre. Mais partout, tu manges ça. Tu retrouves aux États-Unis. Si vous avez des billets pour nous. Ouais, dites-nous, franchement, invitez-nous même. Je sais qu'il y a des gens qui vont aux États-Unis comme ça, genre. Ouais, il y a des gens, vous êtes riches. Donc vous voulez vous inviter, nous inviter, n'hésitez pas quoi, on est bonne ambiance. Moi je pense qu'on est bonne ambiance. Ouais, franchement. Franchement vous rigolerez bien avec nous, en plus, ben voilà quoi. En plus on est cool, on est sympa. On parle anglais. On parle très très anglais. Surtout Siri. My English is very good. Oh my god, are you American? Yes. Can you take a selfie? Yes, if you want. T'inquiète. Okay. Il y a des gens qui savent cuisiner, mais genre, tu sais, ils savent cuisiner genre comme ça. Mm. Genre, leur daronne, elle leur a jamais appris. Moi, je cuisine bien en vrai. Mais moi, franchement. Excuse me, baby. Passe. Il faut que tu remues le bain-marie. Qu'est-ce que j'aime pas? Parce que moi, je remue le sablé. Ça se trouve, en fait, ça va dériver sur un gâteau tout autre et on aura raconté une recette. Vous savez, dans la vie, il faut vivre. Il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Citation, et bah, c'est beau, hein? Ouais. Franchement, même moi j'ai une larme là. Ah, ça crame, ça peut être partout. Il faut que tu mettes l'eau au minimum. Est-ce qu'on peut faire. Je vais faire un replay au montage du. Moi, je sais cuisiner, hein. Moi, je cuisine bien en vrai. Voilà, là c'est un peu parfait. Par contre, t'as un peu. Mais c'est même pas liquide, Cyril. Quoi? Il faut que ce soit liquide. Ah oui. Ça doit être liquide à 100%. Mais tu sais ont dit que le mettre au minimum parce que le chocolat il supporte pas la chaleur. Ah là c'est 9, c'est trop. Bah voilà, 5. Il faut toujours remuer, jamais tout t'arrêtes de remuer en fait. Oui, je te filme. Ah en fait, c'est le bain-marie le plus rené du monde parce que la casserole est la taille du bol. Je sais, j'y réfléchis après. Tu réfléchis moi après. Franchement, pas mal. Le bain-marie, c'est pas top. Hein. Je sais pas qui s'est inventé ça, mais. Marie. Il va falloir retravailler ça, mademoiselle. Marie. On donne des conseils de cuisine maintenant. N'hésitez pas à bien faire lever le chocolat, vous savez. Comme dans Charlie et la chocolatine. Comme dans Blanche-Neige et les 7 nains. Mais je vois pas où est le rapport. T'as pas fait les 7 nains pour un gâteau et à un moment, après son chocolat, il fait que la. Ah ouais? Je me sens, ouais. Non? Non. Si, je te jure. Un peu d'âme. T'as regardé Blanche-Neige? Quoi ça? Podane, tu connais pas? Non. Déjà, tu connais pas Podane? Non, je connais pas Podane. C'est trop bien. Je connais Pocha. Après, elle fait quoi? Elle fait. Elle chante, elle fait. Un œuf, oui, machin. Attends, je vais tenter une chanson. Un baiser pour un amour sincère et un prince charmant pour nous plaire. Tu voulais qu'on fasse une vidéo karaoké? Je suis étonnée de s'aimer. Wouh! Car ces baisers seront pleins de grâce. C'est trop beau, wesh. Ah, ah, ah. Et si vous connaissez, mettez le nom. Ah, t'es pas la meuf de The Voice? Si. Normalement, les oiseaux ils répondent après quand je fais ah. Il y a pas d'oiseaux en fait, y a que un lapin. Bah, lapin. Un lapin ingrat. Vas-y, tiens ça, je vais tourner. Viens, parce que t'es un peu. Il faut que ce soit vraiment liquide, genre comme de l'eau. Tu comprends? Oui. Mais là, c'est vraiment liquide comme de l'eau. Non, l'eau, j'avais vu une eau comme ça. Ce mess. Oh. Aussi, on voulait lancer une série de vidéos, c'est on vient chez vous et on fait un gâteau avec vous. Ouais, voilà. Mais si par contre, on le ferait bien parce que là. Si vous voulez qu'on vienne chez vous, envoyez-nous un message. Par contre. Un message privé Instagram. Ouais, par contre, les gens bizarres, on vient pas chez lui. Elle nous a mis l'eau bouillante sur la table comme ça. Comme si l'eau bouillante c'était sa mère. Hop là, c'est moi qui. Toi, tu mets et moi, je mélange. Ok, très bien. Pour que ça reste homogène. D'accord.
on n'a pas du tout suivi la recette, il y avait les verres d'eau à mettre. On s'en bat les couilles de ces verres d'eau. J'avoue. On s'en bat les reins, nous. Est-ce qu'on a besoin d'une recette? On n'a pas besoin de la recette. Nous, on fait à l'improvisation. C'est nous-mêmes qui inventons les recettes. On a le talent nécessaire. Une demi-tasse d'eau froide. 8 tasses. 8. Mais... Non, une demi. Ouais, mais fais la moitié, hein. Oublie pas. Depuis quand dans un gâteau au chocolat il y a de l'eau? Franchement. L'eau elle est dégueu. Non, franchement là c'est un peu tout mal. Non, vas-y, raclez bien le chocolat, s'il te plaît. Je vais te laisser. Ça me dégoûte. Qui c'est qui a inventé la recette du gâteau? On aurait dû mettre du lait au lieu de l'eau. T'as du lait? Ouais. Pourquoi tu l'as pas dit? Mais tu dis, frère, tu m'as pas demandé. Non. Non, bonjour, ça va? Mmh. Ouais, ouais. Il m'a un peu de Nesquik, non? T'as du Nesquik? Oui. Mais pourquoi tu l'as pas dit tout ça? Ah, tu te tais là. Je t'ai dit la recette du Nesquik, on m'a dit qu'on a pas de Nesquik. Mais bien de. Je lui ai dit. Mais en fait, c'est du Nesquik, pas. Il faut qu'on l'écrase. Tu dis oui. Est-ce que c'est du Nesquik? Franchement, ça a l'air vraiment mon frère, vraiment. Tu crois pas que t'en fais un peu tout, mec? Non, mais regarde. Franchement, ça a l'air bon, non? Oui. Je goûte pour voir. Voilà. Mmh. Ma mère, c'est bon, goûte. Non, je vais pas goûter, mais oui, je te crois. Là, il est pas mal. Ok, il faut un verre d'eau chaude. Mais t'as pas de l'eau chaude encore dans le bol? Bien sûr que c'est. Oh, mais carrément prévoyance, c'est incroyable. Vas-y, prends. Efficacité, par contre, j'ai brûlé, non? Non. Elle s'en bat les couilles. C'est vraiment une mytho. t'as sorti le beurre pour rien, le beurre il va fondre en fait. Ça fait une demi-heure qu'on fait. Vu qu'on a pas de manip, on fait ça comme as. Tu veux lécher le bol? Oui. It was at this moment he knew. He fucked up. C'est brûlé. On peut mettre ça. Pardon. Ouais, je sens. Il y a partout, faut donner des En fait, il y a eu un petit problème technique. Oui, il y a un problème. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on a pris donc l'eau. Donc, j'ai pris la demi-tasse d'eau chaude donc, qu'on a récupérée dans le bain-marie. Donc, je sais pas si c'est hyper hygiénique. J'ai même pas pensé. Bah si, enfin. Ouais, bon, bref. J'ai pris l'eau qui était déjà chauffée, donc j'ai mis une demi-tasse d'eau bouillante dans le gâteau. Ensuite, on a mis une demi-tasse d'eau froide dans le gâteau. Ensuite, on a mis une demi-tasse de lait. Et ensuite, on a rajouté un peu de Nesquik et de farine parce que le gâteau était un peu trop liquide. Pourtant, on a suivi la recette vraiment à la lettre. Mais le gâteau était un peu liquide, du coup, on a rajouté un petit peu de farine. Et c'est tout ce qu'on a fait, je crois. Vu qu'on avait plus de farine, on a mis de la farine à pizza, mais pour la farine, je pense. Alors, je vous explique. Ce qu'on est en train de dire, c'est que peut-être qu'on a inventé une nouvelle recette. Si on a inventé une nouvelle recette, je la mettrai en description et vous pourrez la reproduire. On a enfourré le gâteau 40 minutes dans le four. On n'avait pas regardé le temps. 24 à 40. À... Oh, dans longtemps. Combien de temps? 18h04. That's life, hein. Donc on va vous montrer comment on range. Si ça vous intéresse. En fait il y a eu un bug de caméra mais vous avez pas vécu les moments avec nous. On a renversé de l'eau, on a renversé du chocolat, on a renversé notre vie. C'était triste, on a mis Aya Nakamura. On a mis Aya Nakamura. Sirène a chanté ça, heureusement que la caméra a coupé, j'ai envie de dire. Thanks God. Tu m'as dit t'es où, je te rejoins en telle. Si vous voulez que Sirène arrête de chanter, mettez un pouce bleu. Et je vous promets qu'elle chantera plus. Je vous jure qu'elle chantera plus. Et du coup, vous le ratez de la chiquille, voilà. Ça va, c'est pas dégueulasse quand je lèche. Quelque peu quand même. Du coup, donc voilà. Du coup, le gâteau est au four. On a préchauffé à 180 degrés. Celsius. Celsius. C'est vrai. Ouais. Dites-nous en commentaire si c'est Celsius ou Celsius. Oui, c'est Celsius. Bien sûr que c'est Celsius, mais tu devrais pas te poser ce genre de questions en fait. Tu nous inquiètes tous. En attendant que le gâteau four, je vais vous dire la recette initiale. Comme ça, vous l'aurez chez vous si vous voulez la reproduire. Je la pense vraie pas recette. Que les gens vont la reproduire. La vraie recette. Alors, je vous explique ce qui est bien, c'est quoi? C'est que pour les personnes allergiques aux œufs, eh bien, il n'y a pas d'œufs. Pas compris que dans ce gâteau il n'y a pas d'œuf de base. Non, c'est pas moi qui ai inventé. Des gâteaux au chocolat, il y a des. Oui, mais là c'est un gâteau au chocolat brésilien. Il y a marqué brésilien, le Brésil. Ah, pourquoi tu dis le nom? Brésilien. Tu forces un peu le R, non? Brésilien.
Brésilia. Est-ce que j'étais brésilienne avant? Moi aussi. Pas du tout. Mais si. Qu'est-ce que vous racontez? Donc, je vais vous dire le vrai gâteau. Donc, il était prêt pour 8 personnes. Je t'arrive à un crédit. Personne va refaire cette putain de recette. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont vite faire un gâteau au chocolat chez eux, non? Oui, mais je pense pas qu'ils vont suivre ça. Moi, je vais sur Marmiton. Oui, Marmiton, là, ils disent de la merde. Donc... Marmiton, le sang. Marmiton, si tu passes par là, lâche ton pouce. Donne-nous la force de refaire une recette. Tu veux qu'on fasse une autre recette? Moi, je pense que la prochaine fois, on fasse un gâteau, mais genre. Couscous. Ah bon, si vous les gars ferment sa gueule, on mettait un dislike. Tu veux pas manger un couscous? Vos. Tu vois, c'est un peu comme le. Non, ça c'est horrible, c'est horrible. T'aimes c'est pas. Comme le. Arrête! Tu me dégoûtes, wesh. J'espère que le gâteau il sera bon parce que franchement, j'ai mis plus que mon cœur là, j'ai mis mon âme. J'ai mis mon être. Oh, il en reste un petit peu. Si vous voulez partager du chocolat avec moi, ajoutez-moi sur les réseaux. Tu sais que mon épreuve préférée, mon moment préféré quand je fais un gâteau, c'est quand je mange ça. Moi aussi. En fait, j'ai toujours rêvé de faire un gâteau et de pas le cuire. Pour le manger. Bon, moi j'arrête. Moi aussi. Tu crois qu'on va rester là 40 minutes à filmer le vide? Non, non, on va pas filmer. On va couper la caméra. Attendez, avec le fin de vie. One eternity later. Go. On ne voit pas par contre. Baisse pas encore. Voilà. T'as fini? Oui. Bon, on a fini le gâteau les gars. Franchement, pas mal. Franchement, c'est pas un échec déjà. Ouais. À la base, il était gravissime, genre vraiment, vraiment. On aurait dit c'était du fond de teint le bail. Bon, là, il a un peu craqué. Mes potes m'ont dit que c'était normal. Apparemment, c'est normal. Oui, c'est normal. Du coup, ben, ça veut dire qu'on a réussi. Oui. Check. On a réussi, donc suivez notre recette, elle tue sa mère. Maintenant, il faut par contre, il faut qu'on goûte, hein, parce que physiquement, il est pas mal, on va pas se mentir. Franchement, là, c'est l'état top, je dirais physiquement validé. Et... dégustation, les gars. Mmh. Il est bon, hein. Mmh. On a racheté du Nutella parce que ça manque de chocolat, non? Oui. C'est bon, là? Mmh, très bon. Très, très bon. Yes. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos cuisine, promis, on va essayer de s'améliorer. D'autres vidéos culinaires. Culinaires. Ben, on pourrait peut-être lancer une petite série vidéo cuisine. Si ça vous a, si ça vous a plu. Et si vous avez des idées de plats que vous voulez nous voir cuisiner, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Sur ce, ajoutez-nous sur nos réseaux sociaux en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous de caribou. Thank you. Je vous aime tous. Moi aussi. Maybe.